What's up, my Sky 2.0 maniac, Sky Redemption, on pour l'épisode 12 de The Last of Us Part 2. Présentement, on poursuit encore notre ascension pour atteindre l'hôpital. On cherche Nora. Je crois qu'il y a encore un petit bout avant qu'on arrive là-bas. Plusieurs obstacles vont arriver sur notre chemin. Son amour est partout. Feel her love. Ouais, ça reste un peu bizarre quand on voit un mot comme ça. On a vu le même symbole aussi à la station télé. Ben, avant de monter dans l'échelle de la cage d'ascenseur, on va fouiller encore. Ciseaux, ruban adhésif. Petite ciseaux encore. Confectionner des armes meurtrières. Bon, et c'est parti. J'espère trouver des affaires et choses assez intéressantes. Ici, qu'est-ce qu'on a? Okay, avant d'aller là, je vais arriver. Non, on peut pas aller de ce côté. Fait qu'on n'a pas le choix. Traverser dans cette petite pièce au-dessus. Ok, on a un câble. Il y a quelque chose à faire avec. Je crois que j'ai trouvé c'est quoi. On l'a traversé de l'autre côté. Parce que la porte à gauche était verrouillée. Accès facile, faut qu'on casse avant tout la vitrine juste au-dessus. Ensuite, on va pouvoir envoyer notre câble sur le petit bout de la corniche. Comme ça, on va pouvoir se balancer de l'autre côté. Si c'est un accès difficile comme ça pour y aller, ça veut dire qu'il peut y avoir des choses intéressantes. Oh! On a juste pogné la corde dans le bas. Puis on va se balancer. C'est pas compliqué. Un courant du... Ouh, ça commence bien. On a des pièces de métal, des cartouches de fusée à pompe, on a de l'alcool. Ok, c'est qu'il y en a qui ont passé plusieurs journées dans cette pièce-là. Pistolet, fusée à verrou, des cartouches. Encore de l'alcool, petit ciseau. En plus d'une petite note. Simon. Oh. Ok, c'est probablement sa chérie parce qu'elle s'appelle Paige. Oh yeah, on a trouvé une autre petite carte de super-héros. Shift. On en a un sacré paquet jusqu'à présent. Ça serait fun d'avoir le trophée pour toutes les avoir trouvées. J'espère qu'on va pouvoir toutes les trouver. On va recharger notre fusée à verrou parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Je suis en train de tout recharger mes armes. Les unes après les autres. Ensuite, on va pouvoir continuer notre chemin. C'est parti. Okay. On y avait déjà été. On a manqué se faire la peau par des claqueurs. Désolé mon ami, j'ai pris tes petites pièces de métal. The hell? Avez-vous vu le chat passer? Bon, je sais pas si c'est ici qu'on vienne. Merde. C'est verrouillé. On aurait dû s'en douter. Hein? Ça veut dire qu'on n'a pas le choix de venir dans l'immeuble ici.
seul accès est probablement par le camion. J'espère qu'il y a des choses intéressantes. Peut-être d'autres petites cartes de super-héros qui pourraient faire grossir notre collection. Ouh, j'ai vu quelque chose. Ah, petit ruban adhésif. Rien. Ça, on est plein. Fait que là, on va pas passer dans la pièce au côté. Ok. Sinistre un peu. C'est sombre. Un petit appartement sympa. Quand même assez cool pareil. Système de son, système de... Oh, petite pièce de métal en plus. J'espère qu'on va avoir un petit peu plus d'action. Tout de suite, on fait juste l'exploration. Ruban adhésif, on est plein aussi. Explosif. Oh, on va pouvoir vérifier nos armes. Pour faire une petite upgrade, si qu'on en a assez. Okay. Lock à flair. Wow, wow, wow! What the hell? Hey, lâche-moi! Lui doit avoir regret présentement de m'avoir attaqué comme ça. Mais il est pas seul. L'attaque du marteau. Je sais pas ce que je veux dire par on y retournera pas là-bas. Pitié. Oh oui, pitié. Tu peux te la regarder, ta pitié, parce que nous, on n'a pas. Putain. C'est quoi ce bordel? Je n'ai aucune idée, Ellie, c'est quoi ce bordel? Ben. On va continuer notre petite ascension pour continuer à fouiller les lieux. Je tenais juste de dire que j'aimerais avoir un peu plus d'action. J'ai été servi. Oh! Ça veut dire d'autres compétences! Nouvelle branche d'amélioration. Les explosifs. Oh! On peut pas en créer présentement, ça a l'air, parce qu'on n'a aucun médoc. De premier. Oh, on en a un peu, mais c'est pas ça qui va faire qu'on poire. J'ai trop parlé. On vient juste de trouver le nombre de médocs pour pouvoir faire la première amélioration. Si on est plein, fait que. Ouais, confection de flèches explosives! Là, par exemple, on parle. On en a déjà trois. Fait que c'est qu'il y a des petits connards qui veulent nous venir nous faire du trouble, on va les faire sauter, ces petits cons. Jaiso. Message pour Melissa. Ouais, ils ont choisi la mauvaise personne, parce que nous, on était prêts à attaquer. Faut que je sois plus vigilante. Ouais, j'avoue, mais on a super bien géré la situation. Il y en a juste qu'une qui a demandé notre pitié. On n'en a aucune pitié. Je crois que c'est tout ce qu'on peut faire ici. Ah, finalement, on en avait une porte de sortie. Ça aurait pu être une entrée aussi. Si on aurait juste été de l'autre côté, mais c'est pas grave. Une accès ou l'autre.
ça a donné le même résultat. Ici, on a des explosifs. Bon, ici, il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Il faut juste trouver quoi. On va aller voir. Bon. Ah. Verrouillé. On aurait dû s'en douter. Hein. Je l'ai dit encore tantôt, la même réplique. Je dirais qu'à chaque fois qu'on pense avoir un accès facile, c'est pas le cas. On va servir de la cuve à vidange pour pouvoir aller voir ce qu'il y a sur le scissor lift. Ce qui est là, ce qui doit avoir des choses à ramasser, mais il va falloir faire ça vite fait. Premièrement, on a des cartouches de fusée à pompe, juste une. On avait de l'alcool. Pas grand chose. On commence à être. On est vraiment pauvre en munitions. Si qu'il y a quelqu'un, montrez-vous. On va vous faire exploser tout de suite. Non, je crois que. On est seul. C'est une valeur qu'on peut pas. Activer le scissor lift. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter la benne à ordures le plus haut qu'on peut et prendre notre course pour ouvrir la porte de garage pour qu'elle puisse sortir. C'est parti! Come on! Quand j'ai vu ça, je savais que c'était ce genre de d'action là faudrait qu'on fasse parce que j'ai déjà eu à faire la même chose juste avant. Ok. Là, il y avait un endroit je crois que j'ai oublié de faire dans l'immeuble au côté avant que j'aille plus loin. On va aller s'en occuper. Quand on est arrivé au deuxième étage, il y avait une fenêtre, j'avais vu qu'il y avait une corniche. Mais j'y ai pas porté attention la première fois que je l'ai vu. Je vais juste aller vérifier si vraiment je peux y accéder. Sinon, ben, on continuera juste notre chemin. C'est ce que je pensais. Wouhou! J'ai bien fait de revenir. Oh, j'ai vraiment bien fait de revenir. Sinon, j'aurais oublié une carte de super-héros qui est Star Sight. Si j'ai bien vu. Bon, vraiment adhésif. Octobre 2013. Ok, ça veut dire que il y a un coffre là. C'est comme si qu'il nous donnerait un genre de in pour une combinaison. Qui est le 10 8 et le 83. Oh putain, ça marche. Oh yeah! On a trouvé notre étui pour notre pistolet. Ouais, on va s'en équiper tout de suite. Ça, c'est sûr. Des médocs. Ça veut dire que si j'y aurais pas retourné, j'aurais perdu tout ça. Fait que je suis comme fier de moi un peu d'y avoir retourné. En même temps, on va fouiller un peu. On va revenir pour vérifier un upgrade. C'était tantôt, on n'y avait pas revenu. Quand on s'est fait attaquer. Mais, finalement, il n'y a rien qu'on pouvait faire. On en avait pas assez.
Parfois, c'est mieux vérifier les lieux une deuxième fois parce que on sait jamais qu'est-ce qu'on pourrait oublier. Comme là, ça m'aurait été fatal. J'aurais perdu mon étui pour mon pistolet. J'aurais manqué une carte de super-héros. Là, on peut poursuivre notre chemin, la tête tranquille. On a tout ramassé, on n'a rien laissé derrière. On va monter sur la corniche. Voilà l'hôpital. L'hôpital n'est pas loin. Merde. Il est plus loin que je pensais. C'est pas si loin que ça. Ellie, voyons. Va falloir passer par... C'est quoi ça? Un genre de centre de recherche? Ça se peut-tu? Faut se rendre en bas. Ça, on n'a pas le choix, je crois. On va se lancer dans le centre. En espérant ce qu'on... Si tu pas, c'est pas le cas. Ouh! Ok, si on a la rature encore, il n'y a pas de claqueur. Un épisode assez tranquille jusqu'à présent, à part on s'est fait surprendre tantôt, mais on a super bien géré. Si on va pas entrer. Ouais, je crois que je vais juste lancer une bouteille pour briser la vitre. On va pas se faufiler à l'intérieur. Ouais, c'est cool! Ouais, on a un molotov déjà fait. Pièce de métal. Ici aussi, cartouche de fusil à pompe. Là, je commence à trouver qui nous... Oh! Une autre carte de super-héros! Ça fait trois qu'on pogne dans vraiment pas grand temps. Arch Enemy. Là, c'est qu'on a beaucoup de cartouches comme ça qui nous donnent dernièrement. Ça veut dire que on n'est pas loin de quelque chose qui va nous amener à peut-être plusieurs ennemis. C'est ça que je pense. Habituellement, quand on fait juste de l'exploration, on n'a pas beaucoup de cartouches comme ça qui nous est donné. Bon. On va continuer notre chemin. Oh. Là, je suis pas mal sûr qu'il y a de l'action qui va se passer parce que... Oh, ça pue là-dedans. Ouais. Là, on va avoir des petites surprises. Mais au moins, on est préparé. Petit chiffon. Oh merde. Il y a eu un vraiment un gros carnage ici. J'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Oh, merde. Merde. J'ai fait un saut. Putain. Ah, juste on manque de lumière. On reste calme. Oh merde. Hey, je dis comme toi, merde. Il y a un autre wolf et un autre dans le fond des toilettes qui se fait attaquer aussi. Il rigole pas, ces types. Je sais pas quelle sorte d'effectif que c'était. C'est pas un claqueur, parce qu'un claqueur, on le voit pas s'accroupir au sol comme ça. Non, super. Ok. Je crois que falloir traverser de l'autre côté.
Holy shit! Des rôdeurs. Fais chier. Comment qu'elles a, quand elle les a appelés des rôdeurs? Là, on risque nos gardes parce que. Ils ont l'air rapides. Oh! Oh shit! Sauve-toi pas! Et pas! Oh! Il y en avait un derrière moi! Deux! Ouh. Wouhou! Amène-toi! Oh my god! Un autre! Lâche-moi! Wouhou! Y'en a-tu d'autres là? Je crois qu'il y en a 6 qui nous ont attaqués presque en même temps. On doit bien gérer la situation, mais j'avoue que j'ai la patate qui pompe un peu là. Il doit y en avoir d'autres. Et ouais, j'en ai spoté un. De l'autre côté du bureau là-bas. C'est de l'avoir, non pas avec l'arc, mais avec mon pistolet silencieux. Sors-toi la tête. Cette fois, c'est nous qui avons joué le petit jeu. Il n'y a rien vu venir. J'étais content aussi parce que ça aurait alerté les autres. Ok, j'en vois aucun. Oh, j'en vois un autre. Bouge pas que je... Merde. J'ai essayé de l'avoir furtif lui aussi. Sans qu'il me voit. Il est plus rapide que moi. You t'es connard. Là, il va nous sauter dans la face, là. Celle-là, je le vois plus. T'es où? Stay down! Y'a quelqu'un d'autre? Ouh! Quand Ellie dit ça, ça veut dire qu'on est sorti d'affaire. Maintenant, comment je sors de là? Ah là, je suis vraiment fier de moi, par exemple, parce qu'on a bien géré la situation. On trouve de l'alcool. Non, on peut rien confectionner tout de suite. Cartouche de fusée à verrou. Ici, qu'est-ce qu'on a? Pas grand-chose à part que si on a... Ça veut dire si on avait une petite fringale, mais... Bon. Oh, le petit bureau ici. Il n'y avait rien pour nous, malheureusement. Ok, non. Ok, il y a une petite pièce au fond. On va aller vérifier. Non. Ah oui, des explosifs en plus d'un silencieux pour notre pistolet. J'aurais vraiment aimé avoir un silencieux pour mon sniper. Ok,
sais qu'on peut pas aller. Voilà l'hôpital. On se rapproche. C'est très loin. On sait qu'on peut pas aller vers là-bas parce que sinon il va falloir qu'on se tire de la rivière, c'est pas ça qu'on veut. Ici on peut pas, fait qu'on n'a pas le choix de se lancer de l'autre côté. Allez, allez! Vache. Ok, on peut entrer ici. Oh merde, j'ai l'impression. Ok. Faut que je rejoigne la rue. Ouais, mais on va avoir d'autres compagnies par exemple. Des rôdeurs. Comme Ellie les a appelés tout à l'heure. Eh, ça rime en plus. La machette va m'être très utile. Je continue à rester sur mes gardes par exemple parce que. Juste avec les bruits que j'entends là. On sait qu'il y en a un là. J'ai pratiquement pas envie d'y aller. C'est stressant. J'ai déjà la patate qui me pompe encore. Ça, c'est un claqueur par exemple. Oh merde! L'action commence déjà! Oh my god! Approche-toi! Je t'attends! Oh shit! Fais pas briser mon... ma machette aussi vite! Wouhou! Ça c'était cool! Approche! Oh. Ça, c'était pas intelligent de ma part. Couché, j'ai dit. Faut que je me bouge. Eh ouais, parce que je crois que tout de suite on n'entend plus, mais ça veut pas dire qu'il n'y en a plus. C'est ça que c'est là. Il doit y avoir un moyen de sortir d'ici. Je l'espère. Sinon, on est comme foutu, comme qu'on pourrait dire. Tout là coule. On peut fouiller librement parce qu'on a tué tout le monde qu'on voyait, mais je suis sûr et certain qu'il y en a d'autres. On garde tout ce fusil à pompe. Il y a rien. Oh. Oui, il est explosif. Oh, je crois qu'on a trouvé notre porte d'accès. C'est parti. Oh. Oh my. Oh my god. Dépêche-toi. Wow. Holy shit. Non, 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 lâche-moi! Wow! Hey, ça, je m'attendais pas en tout à ça! Hey, il persiste en plus, hein! Aucune idée, il sait que ça va nous apporter, là, mais... Oh! Oh! On a manqué se faire défoncer la petite caboche, hein? Je te déteste, Seattle. Ouais, je commence à être d'accord avec toi, là. Si on peut pas y aller. Ah, je crois que j'ai trouvé notre chemin où aller. On a l'accès juste ici. On a juste à escalader et traverser de l'autre côté. On va pouvoir quitter les égouts, mais on ne sait pas encore ce qui nous attend en haut. On a peut-être un comité d'accueil encore.
Ah là, on n'a pas le choix de s'accroupir. On a eu vraiment un bon moment d'action. Plein d'émotions. On a eu de l'action, c'est ça qu'on voulait. On nous reste juste... J'ai hâte de sortir de ce trou. À sortir de ce trou. Le moment aussi que le vauteur s'est lancé sur nous, quand on a passé au travers de la vitrine, c'était nickel. Ok. Où est-ce que j'ai atterri? Je pourrais pas te répondre, je sais pas moi-même. J'essaie de voir si on se fera pas attaquer ou quelque chose comme ça, là. Atterri d'un genre de parc. Ok. Vous êtes ici et l'hôpital est là. Je vais traverser le parc. On a comme pas le choix. C'est, on va s'avancer. Ok, là on a de la compagnie par exemple. On va rester vigilant. Oh my god! Eh, hey, excusez-moi, j'ai fait vraiment le saut là. Je m'attendais pas à tout à ça là. Ok. Ouais, là on va foutre le camp d'être là. C'est nous qui va essayer de les pogner par surprise. Ils vont payer pour ce qu'ils nous ont fait. Bouge pas, connard. Oh oh. Un autre fois. Merde. C'est le moment de... aller se mettre en sécurité. Les laisser venir à nous un peu, qu'on peut éliminer une coupe au moins. J'ai fait un plus gros jump quand je me suis fait avoir avec la première flèche que dans le temps je me suis fait attaquer par les rôdeurs tantôt. Approche. Tu t'en sortiras pas. Là, on a-tu d'autres qui est proche? On va avancer, mais là, on n'a pas le choix d'être furtif. Quand on attend un sifflement, on va arrêter tout. Parce que là, c'est dangereux. Ok. Une merde, faudrait pas qu'on finirait comme ceux-là qui sont fait pendre. Hein? Ok, il y en a un là. J'en entends un vraiment près de moi. Ok. T'as poussé ton dernier sifflement. On a vu un autre. C'est plus qu'à savoir. Il est rendu où?
crois que c'est le dernier. On l'entend, mais je le vois pas tout de suite. Oh, là, on a vraiment manqué de se faire voir. Je l'avais pas vu pantoute. Je croyais que c'était le dernier, mais il y en a un autre. T'es où? Oh! Malheureusement pour toi, tu vas être sur les avis de décès. C'était cruel. Je crois qu'on les a toutes éliminées. Oh, bordel. Sûrement des scars. Peu importe. Tu crois? Ouais, peu importe. L'hôpital. On s'en est sorti en vie, c'est ce qui compte. J'espère que vous avez pas pendu Nora. J'espère aussi, parce que c'est nous qui veut y faire la peau. Oh, quelque chose qu'on va pouvoir mettre dans notre carnet. Ouh, un scar avec une hache. Ok. On va aller discrètement vers la porte. Ok. Je sais pas s'il y en a qui se cachent dans ce bâtiment aussi, mais ce qu'il y en a, ben. Malheureusement pour eux autres, je vais dire comme tout à l'heure, vous allez faire des avis de décès demain matin. Cartouche de fusil à verrou. Mais qu'on ait notre lunette accrochée à notre fusil, là on pourra dire notre sniper. Oh, un petit snack. On a besoin. À l'étage, savoir si il y a quelque chose qu'on peut ramasser. Toujours en restant sur nos gardes parce que si on a des scars qui nous ont attaqué, ça veut dire on est encore dans le même périmètre. Fait qu'il peut y en avoir encore. Oh yeah! Petite carte de super-héros! La quatrième de l'épisode. Ok. Ici, on a quoi? Je prenais qu'il n'y a pas de PlayStation attaché à la TV. On a déjà vu deux jusqu'à présent. Des PlayStation 3. Voulais-tu faire une petite brossée de linge? Petit ciseau. Oh, des petites pièces. Ouais, on en avait vu 8 autres. Pistolet. Petit chiffon.
crois qu'on a tout vérifié dans cette pièce. Bon, ici, on peut descendre, mais je vais aller voir à l'étage, en cas des fois, qu'il y aurait de quelque chose d'intéressant dans une autre pièce. Tantôt, ça a porté fruit parce que... on a trouvé une carte de super-héros en plus d'un coffre, plus notre étui de pistolet. Ce qu'on n'aurait pas retourné sur nos pas. On l'aurait pas trouvé. Non. On n'a pas le choix de passer par la fenêtre de l'autre côté. J'espère qu'il n'y a rien qui nous attend à l'intérieur. Je crois qu'on est seul. C'est bien pour tout de suite. Il était déjà mort. Pourquoi qu'on en souvenait? Aucune idée. La petite note nous dit quoi? Si quelqu'un trouve ce mot. Merde. Simon Merde, Vickers. Ça craint. Depuis le début. Depuis le début du jeu, ça craint. Tu sais. C'est pas. Nouveau. Ça, c'est la porte qui était verrouillée. Je crois qu'on a tout trouvé. On va poursuivre notre route. C'est tout pour l'épisode 12 de The Last of Us Part 2. J'espère que vous avez apprécié. On a eu de super bons moments, surtout avec le rôdeur. Si vous avez aimé l'épisode, le like ou le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Et sur ce, les amis, on se retrouve à la prochaine épisode. Bonne soirée et prenez soin de vous. À bientôt.